direction Saint-Imier. J'en dégoûte. Purée de patate pourrie. Ils annoncent pas trop de pluie, mais. J'ai de la chance! Purin! S'arrêter quelque part et enfiler notre combi, genre juste là. Moi, je vais pas attendre. Bon bah, c'est reparti pour la flotte. Des pneus qui n'ont pas une bonne réputation pour le mouiller, justement. C'est parfait! Que demander de plus? Bah, tu vas gentiment, puis c'est tout, quoi. Ouais, tandis que j'ai pas trop de garde-boue arrière, hein, vous allez voir que mon casque, mon sac vont prendre cher. Ça, je me prends derrière. Moi que ça retombe à nouveau. C'est ça l'avant, non? Par ici. Alors, je sais jamais. Non, c'est pas la première fois que je passe. C'est ça l'avant. C'est la merde! La mer noire! Non, c'est fenin! Bonne projection! D'eau des véhicules venant en contresens. Sans s'opposer, quoi. Garder tes distances, sinon je vais vite faire un scandale.
mer Noire. La mer Noire. Voilà la mer Noire. La mer Noire. C'est quelques gouttes, ça n'a pas duré longtemps, mais encore une fois. Dans le doute, hein. L'autre fois j'hésitais, je me suis complètement draché, donc. Hein, pas deux fois. D'angle et ça devrait aller. Bon, est-ce qu'il en passera, hein? Je chante vraiment un truc débile. Oh, c'est beau. César Saint-Martin. Effectivement, ils ont lancé quelques gouttes, rien de bien méchant, mais voilà, suffisamment pour que ça mouille la chaussée. C'est très bien à quel point, bah, c'est peut-être là où tu vois la différence entre les bons pneumatiques et ceux qui sont un peu plus entrée de gamme, on va dire, comme cela. J'ai pas le style. Tout droit. Bon, ça là c'est... C'est pas trop long, c'est ligne droite. Comme récent, ok. Du coup cette piscine, ils ont une piscine proche de récent. Je me souviens de gamin y avoir été une fois, c'est un truc qui était assez imposant en plus. Je m'en souviens plus! C'est la vieillesse! Et encore un gros bourdon collé au cul. Et je parle pas de moto pour le coup. Freiner là où il y a. Voilà. Ah, il y a encore un ici en fait. C'est 50 ici ou 60? Ça, c'est typiquement. Cette route bien grasse. Challenge.
pluie. Je crois que je vais le faire. Ça m'a l'air d'être ok là pour le moment. Waouh, regardez ça! Vous voyez combien il est dégueulasse? Toutes les projections d'eau. Olé! C'était pas magnifique. Elle est vraiment dégueulasse. Il y a un niveau. Je dis que niveau. En fait, je vais garder ça. Faut qu'on se rende compte, voilà, comme j'ai pas de garde-boue derrière, il y a tout qui remonte, je me reprends tout dans le dos. En fait, on va aller comme ça jusqu'au chasseral en vérité. Ouais, on va voir jusqu'à là-bas si on est toujours avec les, avec la route sèche. Si on peut ça part comme ça, les nuages plus. Plus sombres. Ça va partir par là-bas. On va repartir comme ça, on changera au chasseral. Je pourrais avoir la certitude parce que d'un coup ça peut retomber. Qu'est-ce qu'elle est ça? Regardez comme elle est crade. Il va falloir que je la lave aujourd'hui. Allez, go. Tu sens craint, mais ma piote. Demain ici, je sais pas encore, j'avoue que je suis très partagé parce que faire des photos avec une moto qui est complètement crade, toi tu m'iras, hein. Ça mérite d'être authentique. Enfin, 50, 50 à 53 GPS.